Deuxième phrase de ma série phrases en intervalle, une phrase qui va n'utiliser que des secondes mineures et des sixtes, donc en mi bémol mineur. Alors, le deuxième degré de mon 2-5-1, alors là j'ai coupé la mesure en deux pour le deuxième degré. J'ai mis d'abord ça, fa, do bémol, mi bémol, la bémol, fondamentale, quinte bémol, septième, tierce mineure, et puis ça. Que je pense comme un fa mineur, septième bémol, basse la bémol, la tierce à la basse, la bémol, fa, do bémol, mi bémol, tierce, fondamentale, quinte bémol et septième. Pour le cinquième degré, pareil, je l'ai coupé en deux. Si septième, le bémol, en cinquième degré, si bémol, la bémol, do bémol et ré, fondamentale, septième, neuvième bémol et tierce, et après j'ai mis ça. Un si bémol 7 avec 9e bémol et 13e bémol et une basse de ré, donc ré, la bémol, do bémol et sol bémol, tierce, 7e, 9e bémol, 13e bémol. Et sur le premier degré, j'ai mis ça deux mesures, mi bémol mineur 7, 9, mi bémol, sol bémol, ré bémol, fa, fondamentale, tierce mineure, 7e et 9e. Donc je vous joue ma phrase qui ne comporte donc que des secondes mineures. Et les sixtes. Et donc, n'hésitez pas à aller voir la vidéo une de cette série pour comprendre vraiment bien bien le concept qui est développé ici. Alors, à 83. 2, 3, 4. Thank you.
explication sur le deuxième degré en fait. Je fais ça. Et j'arrive sur la tierce du si bémol 7. Donc là, des secondes mineures, une sixte et des secondes mineures pour aller jusqu'au ré. Donc en fait, je fais la tierce mineure, un chromatisme, la tierce mineure, la fondamentale et chromatisme pour aller jusqu'à la tierce du si bémol 7. Sur le si bémol 7, j'arrive sur la quinte du mi bémol mineur. Donc une sixte et chromatisme en des secondes mineures pour arriver jusqu'au mi bémol, si, à la quinte du mi bémol. Donc en fait, je fais la tierce, la quinte, la tierce et mon chromatisme qui passe par les différentes neuvièmes pour arriver sur la quinte du mi bémol mineur. Sur mi bémol mineur 7-9, je fais ça. Donc là, une série de secondes mineures qui me permettent de relier la quinte à la tierce mineure. La fondamentale, en faisant une sixte en fait. Une autre sixte pour récupérer la sixte, justement, le bémol mineur. Une sixte, seconde mineure et sixte. Hein. Donc, je pars de la quinte, chromatisme, j'arrive sur la tierce mineure, fondamentale. Sixte, fondamentale, septième majeur, septième, quinte. Je vous rejoue si cette histoire. 2, 3, 4. Rendez-vous pour les phrases 23 et 24.